Bonjour à toutes et à tous, les petites cousettes. Me revoilà parmi vous pour vous faire une petite vidéo concernant un double ourlet en angle, c'est-à-dire quand vous avez à piquer une nappe ou autre chose et que vous souhaitez faire l'angle ici. Alors, dans un premier temps, on fait ce que l'on appelle un double ourlet. Donc, on replie deux fois, voilà, comme ceci, et on épingle. Pour celles qui débutent, je favorise ce que l'on appelle le point de bâti, c'est-à-dire que vous allez à faire le double ourlet et vous allez le coudre à la main pour bien le préparer. Voilà, donc moi j'ai mis quelques petites épingles, j'ai pris un tissu un peu court pour vous montrer. Donc, double ourlet, vous allez le passer sous la machine. Je vais mettre mon pied. Alors, je pique au ras, bien au bord. Je vais piquer ici. Bien, bien, bien au bord. Mon point est de 2,5 mm. Vous pouvez le faire plus court si vous le souhaitez. Alors, on pique tout doucement, bien au bord, de façon à ce que ce soit bien maintenu. Je ne fais pas de point d'arrêt, je coupe tout simplement mon fil. Une fois qu'on a cousu bien parfaitement, vous voyez, nous allons rabattre ici une première fois, on rabat comme ceci. Je forme comme un petit angle, vous voyez là, comme ça. Et on rabat une seconde fois, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on rentre à l'intérieur le double ourlet. Et on épingle. Je vais vous remontrer correctement. Voilà, c'était comme ceci. On rabat en formant un angle. Je vais le faire un peu plus large. Voilà, comme ceci. On rabat une seconde fois. Et vous voyez là, il reste du tissu. C'est ce tissu que vous allez rentrer bien à plat. Donc, on le rentre de façon, vous le mettez bien devant vous et vous rentrez à l'intérieur de façon à ce que ça forme bien le double ourlet. Vous mettez une épingle et vous voyez l'angle, il est fait. Et on épingle tout le long de la même façon. Et vous pouvez reproduire cette méthode sur les quatre angles. Je vais piquer. Et en piquant bien, bien, bien au bord,
Ça vous permet de maintenir l'angle. Je l'aide un petit peu. Voilà. Et là, ça donne ceci. Bien l'angle, ici et là. On fait ça sur les quatre côtés. On recommence. En fait, vous devez piquer. Vous devez retourner une première fois pour que ça fasse bien votre angle comme ça. Vous rabattez. Sur l'angle, vous voyez, là, c'est rabattu. Et cette partie-là, vous la retournez pour qu'elle corresponde bien dans l'angle de votre première piqûre, ici, là. Et vous piquez ici. D'accord? Et ça, vous épinglez. Et de nouveau, vous piquez. Voyez? Et là, vous avez l'angle qui est bien fait. Et derrière, qui est bien fait aussi. Donc, ça vous donnera ça une fois fini. Un petit coup de fer. Et c'est bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est courte. Mais parfois utile si vous avez envie de faire des nappes ou des doubles ourlets en angle, elle peut vous être très utile. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à très bientôt.